like I already owned it. I spit it on top cause I earned this moment. I suppose I know all of it. Je suis. Yo tout le monde, ici Juge tout seul. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, plusieurs je pense, même vidéo rattrapage sur les films que je n'ai pas critiqués, que j'ai vus de 2021 du coup. Donc là j'ai organisé tous les films auxquels je vais parler aujourd'hui. Nous sommes actuellement le 30 octobre, cette vidéo sortira certainement en novembre. Je ne sais pas si ce sera très très loin de par rapport à sa date de tournage. Je pense que oui, vu que j'ai beaucoup de vidéos à sortir avant. Mais oui, donc vous n'aurez pas de critique de films datant d'avant le 30 octobre. D'après le 30 octobre bien évidemment, en toute logique. Donc j'ai placé tous les films auxquels je vais parler par ordre chronologique. Il y a des films où je vais passer assez vite parce que je n'ai pas grand chose à dire, parce que je ne suis pas forcément un grand connaisseur d'univers ou parce que il ne m'a pas forcément marqué, et d'autres où j'ai passé pas mal de temps et qui pourront peut-être possiblement constituer une vidéo entière sur le sujet. Donc nous verrons bien. Moi me connaissant, il y a moyen que ça arrive bien évidemment. Donc nous allons commencer déjà avec un film où ça devrait passer un peu plus vite, de manière, du coup, comme on l'a dit, de manière chronologique, donc avec la lettre A, avec A Quiet Place 2. Qui est donc la suite de A Quiet Place tout court, le premier, donc Sans un bruit 2. Et bien déjà, mon avis sur le premier était déjà assez... c'était bien. Mais je trouve que le film était très très surcoté. Le concept était très intéressant, même s'il n'est pas vraiment cohérent, vu que... Oui, il y a des aliens qui sont sensibles au bruit, mais... Il y a le vent. Il y a le bruit de l'air, il y a le bruit du vent, donc je pense qu'en toute logique, ce serait compliqué d'entendre les humains au final, par rapport au vent, à l'échelle de la Terre. Donc je pense que le concept n'a pas trop de sens, mais il est très intéressant malgré tout. Ça promettait des choses vraiment très très cool, très très cool en termes de mise en scène, et c'était le cas notamment avec la fille sourde et la manière dont elle entendait par exemple. Et puis il y avait de bonnes idées de mise en scène, etc. Le truc qui me dérangeait, c'est qu'on n'avait pas assez de background de sur les aliens. Je sais que c'est voulu pour montrer le côté mystique, mais moi c'est vrai qu'en tant que fan de SF, me fier aux interviews de John Krasinski qui dit que ces aliens viennent d'une planète complètement noire, sans vue, sans qu'ils puissent voir et autres, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui, mais j'ai bien aimé le film, les personnages étaient attachants, la famille était attachante. Après, je trouvais qu'il y avait des incohérences. Et des grosses incohérences. Déjà, qu'est-ce qu'il fout dans une maison en bois? Le bois, c'est le truc qui fait le plus de bruit au monde, ça grince quand tu bouges. Ou pourquoi tu décides de faire un bébé en pleine apocalypse où t'as pas le droit de faire de bruit? Et où est le sens? Et il y en a qui disent que c'est très commun pour les mères ayant perdu leur enfant de vouloir en faire un autre après. C'est quelque chose de commun, je sais, mais c'est assez égoïste, vu que tu as déjà deux enfants derrière. Je pense que pour les futures générations, deux enfants, c'est bien assez. Donc, le coup de faire un bébé, j'ai trouvé que c'était une très très grosse facilité scénaristique. Ou le délire du clou, qui était dans le grenier. À quel moment tu n'as jamais remarqué qu'il y avait un putain de clou dans le grenier? Ça nous aurait évité tellement de problèmes dans ce film. Donc bref, donc pour moi, A Quiet Place 2, c'était vraiment mitigé. Vraiment, j'ai bien aimé, mais il y avait quand même des problèmes, quoi. Il y avait quand même des problèmes, et donc le 2, je vous avoue que j'avais pas un intérêt tout particulier, mais... Ouais, j'ai pas été scotché par le 2. J'ai bien aimé la scène de début qui nous montre les origines de l'arrivée en tout cas des aliens, vraiment en plan séquence et tout, c'est très très bien fait, que vous pouvez voir juste ici d'ailleurs, quel heureux hasard d'avoir mis ça. Donc ça, je trouvais que ça marchait très 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 bien. On gère toujours bien aussi tout ce qui est le bruit. Toutes les choses affiliées au bruit, les personnages restent attachants. On a un nouveau personnage joué par Cillian Murphy, qui est un acteur excellent, et le personnage est plutôt cool, je l'ai plutôt bien apprécié. Même si, sinon, j'ai trouvé vraiment que le film faisait très vraiment filler. J'ai trouvé vraiment qu'il faisait filler, que le film... J'avais l'impression de voir un épisode de série télé, en fait. J'avais pas l'impression de voir un film, en fait. Je trouvais vraiment qu'il se passait pas grand-chose, en fait. Vu que tu avais deux... En gros, le film se coupe un peu en deux, t'as deux axes. Un axe sur Emily Blunt, qui est pas très intéressant.
avec son fils, qui fait un peu des conneries aussi pas très cohérentes dans le film. Et t'as là que c'est Cillian Murphy et la petite fille sourde, du coup, qui est plus intéressant. On découvre un nouveau monde. Je vais pas forcément spoiler cette critique-là, vu que j'ai pas trop d'idées. Je vous avoue que j'ai pas forcément un énorme souvenir non plus du film. Et donc, la partie Cillian Murphy est plutôt intéressante, même si je trouve qu'il y a des choses qui sortent de nulle part. Il y a un espèce de groupe de brigands qui arrive à un moment donné qui sortent de nulle part. Tu as des personnages, on a l'impression qu'ils savent toujours pas comment fonctionne ce monde, alors que ça fait genre quelques années que le monde, c'est un monde post-apocalyptique plein, où on fait du bruit, donc je trouve qu'il y a des incohérences comme ça où les gens ils sont cons en fait. J'aime bien le concept final de cette espèce de village à la fin, vraiment qui est complètement hors de ces aliens, ça je trouve que c'est intéressant. Après, et la fin, bah la fin c'est plus ou moins la même que le premier film en fait. Même si ça promet quelque chose d'un peu plus grandiose pour le troisième, mais je trouve vraiment qu'il y a un effet filler. Je trouve que la partie Emily Blunt te sert un peu à rien, je ne vois pas l'utilité. La musique est plutôt mignonne, la fin un peu en mode parallèle uni, c'est plutôt mignon, mais je vous avoue que le film il est, je sais pas comment les gens ils font pour, je sais pas, mais le film est très très apprécié, les gens sont vraiment très très en kiff sur cette franchise. Moi je vous avoue que ouais. Et puis l'idée de faire un spin-off en plus, donc je vois pas l'intérêt de faire des spin-offs sur ça. Genre pour moi une franchise avec une seule famille ça suffit, on voit comment ça marche, finish, tu vois. Faire un spin-off avec une autre famille, à moins qu'on découvre des choses sur les aliens ou des secrets ou des trucs comme ça, pourquoi pas, mais sinon non. Limite j'aimerais un spin-off sur les aliens en fait, vraiment voir comment ça marche, leur écosystème, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais ça se voit que ce sera un peu les franchises de type The Walking Dead, on n'aura jamais l'origin story de la cause du monde post-apocalyptique, mais ouais, A Quiet Place, c'était pas extraordinaire. Bah, pour moi, c'était pas extraordinaire, ça m'a pas marqué. En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Ok, pour A Quiet Place, ensuite, on va parler de Army of the Dead, de Zack Snyder. Oh, ça. Tiger. That's crossing the line. You got to know when to hold up. When to hold up. Know when to fold up. Du coup, Zack Snyder, dont c'était l'année, vu qu'il avait sorti son fameux Snyder Cut que j'ai absolument adoré. L'Army of the Dead, je risque de décevoir certains, mais je pense que c'est le moins bon film que Zack Snyder ait fait. J'ai vu tous ses films, tous ses films sont bons, je trouve, mais celui-là, je trouve qu'il y a des problèmes, en fait. L'univers, déjà le concept a du potentiel. Le concept de vraiment de mêler zombies avec un braquage de banque à Las Vegas avec des anciens militaires pour de l'argent, etc. Et en plus, Zack Snyder, on sent que c'est un film de Zack Snyder dans ce sens-là. C'est qu'en termes de world building et de mythologie, on sent que c'est lui qui a fait ce film. Pour coup, c'est vraiment le gros point fort du film, c'est qu'il y a du world building. À un moment donné, tu vois, je spoil, vu que ça fait quand même depuis pas mal de mois qu'il est sorti. Tu as quand même des ovnis, tu as des zombies robots, tu as une histoire de time loop, de boucle temporelle. Les gars, d'où il a sorti ça? Rien qu'avec une franchise de zombies, quoi, c'est incroyable. Et puis même, j'ai bien aimé le fait qu'il ait réussi vraiment à instaurer j'aime bien la manière dont il traite les zombies. Vraiment, c'est du pur Snyder, encore une fois, les zombies sont des dieux. Le méchant s'appelle Zeus. Et sa base, c'est l'Olympe. C'est l'Olympe. Et même, il y a des plans presque qui ressemblent à des tableaux quand on est dans leur base, quand on est dans l'antre des zombies. Et j'adore cette idée de zombies intelligents qui peuvent enfanter avec une reine, un roi, avec un homme de main. Et puis j'adore cette idée. Ça fait presque un zombie super-héros avec sa cape, avec son masque, son cheval qui le chevauche. Bah, c'est logique. Donc j'ai bien aimé le délire des zombies. Après, j'ai trouvé sous-exploité. J'ai trouvé assez sous-exploité. On aurait pu aller encore plus loin dans le délire. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Surtout que ce qui est assez frustrant, c'est qu'on sait pas comment ces zombies existent en fait. Vu qu'il faut savoir que cet univers va être étendu dans un film, dans plusieurs séries films. Vu que déjà, il y aura Army of the Dead aura une suite qui s'appellera Planet of the Dead. Il y a un film Army of Thieves auquel on va parler juste après. Et il y a une série animée qui va arriver, qui là va dévoiler tout l'origine de ce qu'on voit dans le film justement. L'origine des zombies, j'imagine des ovnis, des robots zombies. Parce que c'est vrai qu'on est sur un film
sans contexte. On découvre un univers sans contexte, en fait, l'univers est là, il nous est présenté, il est là. Et je trouve vraiment l'idée des zombies vraiment très intéressante, même si c'est pas le premier à le faire, George Romero l'a déjà fait. Mais là, de façon Snyder, avec des zombies vraiment musclés, avec des designs différents des zombies traditionnels, vraiment iconisés comme des dieux, je trouve que ça marche très bien, surtout avec les zombies, le zombie posé sur la statue de la liberté, il y a plein d'idées comme ça. Et même l'idée d'avoir un tigre, voilà le tigre dans l'image, c'est une très bonne idée d'avoir un tigre, vraiment, même si le tigre, pareil, sous-utilisé également, le tigre, ils nous l'ont vendu dans la promo, au final, on le voit deux fois. Pour une scène assez gore et très cool, bref, mais on le voit deux fois. Mais oui, j'aimais bien cette idée d'iconiser les zombies, de faire des zombies tigres, de faire des rois, des reines, des zombies qui se prennent pour des dieux avec... J'imagine la reine, elle s'appelait Athéna, j'imagine, un bail du style. Donc oui, le film a plein d'idées comme ça qui sont très très sympas. Mais... je trouve déjà que le concept, il y va pas à fond, de base. Bon, le coup du casse, ça fonctionne bien, je trouve, mais le côté à Las Vegas, le côté zombie, il va pas à fond, même si je trouve qu'il va quand même au principal. Mais le côté Las Vegas, il y avait tellement d'idées. Déjà, critiquer les riches, mais évidemment, c'est la base de Las Vegas, une ville de riches, de pognon, de gaspillage d'argent. Il y a une petite séquence assez cool où on voit des billets tomber sur les personnages, et cette séquence symbolise aussi le fait que l'argent est le grand méchant du film, vu que c'est l'argent, c'est à Las Vegas que ces zombies abritent, donc c'est la ville. Il n'y a pas plus ville proie sur l'argent gaspillé, et en plus tu vas surtout sur des personnages qui veulent gagner de l'argent, et du coup voir cet argent tomber autour d'eux, ça fait cet effet justement, ils ont fait tout ça pour du pognon, ils vont tous crever quoi, donc cet effet dramatique. Mais le côté Las Vegas, le message un peu politique avec Las Vegas, le côté richesse, il est pas développé du tout. Le côté, on t'a vendu vraiment un film très coloré, un peu comme Suicide Squad. Au final, non. Au final, Las Vegas est très très délabré, c'est pas très coloré, même si oui, on est dans un Las Vegas post-apo, il y avait moyen quand même de faire quelque chose de beau visuellement, quoi. Ils sont vite fait dans un casino, à un moment donné, et c'est tout. Un peu coloré, et c'est tout. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, quoi. Le générique de début, il est génial. Le générique de début, il promet ce que le film ne nous offre pas, au final. Le générique de début, c'est du pur Snyder. Au final, c'est un générique totalement Snyder, comme Watchmen, etc. Et au final, Las Vegas, c'est pas très coloré, il y a pas tant d'idées de mise en scène que ça. Le Elvis, on le voit qu'à l'intro, on aurait pu aller tellement plus loin sur Las Vegas, il n'y a que le tigre en fait comme bonne idée, j'ai envie de dire. Donc oui, j'ai trouvé ça très très pauvre en ce qui concerne l'idée de mettre ça, de placer ça à Las Vegas, malheureusement, et c'est vraiment dommage. Moi-même, je suis le premier assez triste sur ça. La scène d'intro fonctionne assez bien, le fait qu'en plus il ait aussi mêlé la zone 51 à ça également, donc vraiment le gars il allait à fond, les zombies viennent de la zone 51, ça marche bien. Et même on est limite plus attaché aux méchants qu'aux gentils. C'est à la fois un avantage, à la fois un problème, là, vu que les méchants sont attachants, les zombies du coup, mais à la fois, parce qu'en fait, les zombies ils vivent leur vie normale et on dérange leur écosystème, quoi. Donc tu les comprends, les zombies. Et limite t'es pas si attaché que ça aux héros, même s'il y en a qui sont attachants. Mais par contre, en termes des héros, je trouve qu'il y en a trop. Beaucoup trop. Il y en a qui ont des concepts intéressants, mais on n'a pas le temps de les développer. Tu as Théo Rossi, excellent acteur, qui est juste là pour le message MeToo du film. Tu as une actrice française qui joue le personnage de Coyote, je crois. Elle est sympathique, mais c'est un peu la femme badass assez classique. Ah, d'ailleurs, j'étais choqué qu'elle soit française, vu que son accent anglais est impeccable, et puis quand elle s'est mise à parler français, j'ai fait « What the fuck ?» J'étais pas bien. Putain, comment elle parle bien français, j'étais pas bien. Le gars, le youtubeur, lui, c'était une putain d'idée. Youtubeur qui fait des vidéos YouTube, d'ailleurs il y a des vidéos bonus disponibles sur Netflix qui sont plutôt cool. Mais l'idée du youtubeur, ça c'est une putain d'idée pour le coup. Le youtubeur qui bute des gens sur Netflix et tout, mais c'est excellent comme truc. Mais le gars dès qu'on rentre dans la mission, le gars est sous-exploité, on le développe pas du tout. Et il y a aussi le fait que ce personnage a des alliés qui sont dispensables. On aurait pu enlever ses alliés, il est avec une fille. Cette fille nous vaut une scène d'action très très cool où elle meurt, mais. C'est un personnage qui aurait été dispensable, par exemple. Un personnage très original qui fonctionne très très bien pour le coup, c'est bien Dieter, Ludwig Dieter, donc l'allemand, qui est un très très bon personnage pour le coup. Lui c'est un personnage vraiment original dans ce concept-là de film de zombies, vraiment ce personnage allemand, un peu bling-bling, qui est vraiment fasciné par le fait de braquer la banque, et c'est vraiment lui qui fait vraiment toute l'énergie du braquage, et c'est un excellent personnage. Et son duo, et c'est le seul duo vraiment marquant du film, lui et Van Der Rohe, c'est un peu... l'afro du film, qui est vraiment le gros badass avec sa tronçonneuse. Tronçonneuse sous-exploitée également. La tronçonneuse, on la voit au début, fini. On pensait qu'il nous l'avait vendu de ouf, la tronçonneuse. Au final, non. Dégage la tronçonneuse. Mais c'est vraiment ça, ce duo qui marchait bien, le duo du dur avec le petit rigolo, en fait. Et ce personnage de Van Der Rohe était vraiment très sympa. Vraiment, l'acteur, il serait parfait, John Stewart. Vraiment, et puis ce personnage est plein d'indices, avec son logo Omega. Le fait, et donc, qui vend un peu la fin du film, du coup, également.
Et puis tu as la Latina qui a mis avec Dave Bautista, qui est attachante, qui est plutôt cool, qui a une fin assez choquante, qui marche assez bien, je trouve. Même si le personnage n'est pas non plus exploité de ouf. Tu as la fille de Dave Bautista qui est plus gnangnante et chiante qu'intéressante. Donc elle aussi a été... j'ai envie de dire que la fille était dispensable. Au final, je pense qu'on aurait pu trouver un moyen de l'enlever. On a le personnage qui est l'homme de main de Bly Tanaka. Bly Tanaka, c'est le personnage joué par Hiroyuki Sanada, qui est un peu le grand homme d'affaires qui va, j'imagine, un peu hanter toute la franchise. Et je suis content qu'Hiroki Sanada ait un rôle dans une franchise, c'est plutôt cool pour lui. Après, le personnage n'est pas trop marquant non plus. Mais ce qui est, son homme de main est plutôt cool, vu que c'est un peu le personnage qui a des secrets, qui ne veut pas les dévoiler. On découvre qu'il y a un enjeu militaire derrière tout ça, qu'en fait, au-delà de l'argent, c'est vraiment des personnages qui sont là pour créer une espèce d'armée de zombies militaires. Donc oui, il y a plein d'idées comme ça qui sont intéressantes. Mais le personnage, lui non plus, n'est pas intéressant, même si au moins... merci à lui d'exister pour sa finalité qui est assez cool. Et bien sûr, il y a moins que j'ai oublié pas mal de personnages, mais il y a bien sûr du coup Dave Bautista qui joue du coup le personnage principal du film. On sent que Dave Bautista fait des efforts. Déjà, c'est cool, on sent qu'il fait des efforts. Il a un passif assez triste, assez tragique. Il est assez attachant. Il est un peu con par contre, c'est un personnage un peu con pour le coup, mais il est attachant. Sa fin, elle est triste, mais elle a quand même un aspect positif par rapport à ce qui. Par rapport au fait qu'il ait un petit peu d'argent sur lui malgré tout, et le fait qu'il ait sauvé sa fille, on spoil quand même. Donc je trouve qu'il y a quand même une belle finalité, mais c'est vrai que voilà, il y a pas des dialogues incroyables. Il y a un moment où il parle de sandwich. Qu'est-ce que ça fout là? Ça parle de sandwich. Merci beaucoup. Mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et pas forcément tous des personnages fascinants comme la fille, comme Théo Rossi, quel gâchis cet acteur qui est incroyable, qui est excellent. Et il y a des personnages qu'on a. Et il y a aussi là, l'actrice. Que j'ai oublié le nom, mais l'actrice lesbienne, du coup, qui à la base était jouée par un homme, mais qui a été renvoyée pour agression sexuelle. Bah, du coup, Snyder a fait tourner à cette actrice toutes ses scènes, d'ailleurs, c'est celle-là. Cette actrice a toutes ses scènes sur fond vert, et ça marche très bien, ça se voit pas du tout qu'elle est sur fond vert. Il y a des moments où ça peut se voir, mais je trouve qu'il a fait un énorme taf. De toute façon, Snyder, c'est le roi des effets spéciaux. Il est excellent sur ça. Après, le personnage en lui-même est oubliable. Elle est oubliable, sinon. Mais oui, il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de personnages, et c'est dommage parce que t'as des personnages qui avaient des concepts intéressants, notamment le youtubeur, comme je l'ai dit, et on va pas assez loin. Donc voilà. Et donc, sinon, en termes de réal, personnellement, j'ai bien aimé ce délire du flou, que Snyder a instauré. Ça, j'ai bien aimé ce délire-là, personnellement. J'ai trouvé plutôt intéressant le fait d'utiliser le flou pour vraiment avoir un point de focus sur tel lieu, sur tel personnage. J'ai trouvé que c'était une bonne expérimentation. Personnellement, il y en a beaucoup qui ont détesté. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, je trouve que c'est le Snyder le moins beau qu'il ait fait. Snyder, c'est un peu le gars qui fait vraiment des peintures, et là, on est sur quelque chose de très très gris dans ce film-là. Donc là, pour le coup, limite, tu remarques pas que c'est lui qui a fait le film. S'il n'y a pas le générique de début, tu remarques pas que c'est lui qui a fait le film, quoi. Donc c'est vrai que c'est le Snyder le moins beau, même s'il y a des beaux plans, bien évidemment, mais je pense que c'est le Snyder le moins beau que j'ai vu, en tout cas. C'est vraiment pas dingue. L'action est cool, l'action est plutôt cool, elle est pas extraordinaire, mais elle est plutôt cool. Sinon la musique est oubliable, en tout cas j'ai aucun souvenir de la musique, zéro souvenir de la musique. Et ben la fin du... ben le scénario, comme je l'ai dit, est simple. Le film est trop long. Ben le film aurait... comme le film a beaucoup de personnages, il aurait mérité d'être plus long. Mais comme l'histoire est simple, il aurait mérité d'être plus court avec moins de personnages. Donc je ne sais pas quoi dire au final. Mais bon, là, le film est prévisible. Le film est prévisible, la fin est prévisible également. Donc ça, c'est assez triste que la fin soit prévisible. On est vraiment sur la fin de film d'horreur assez classique. Mais au moins, ça vend une suite très intéressante. Vraiment, la suite, j'ai très hâte de voir ça, les zombies sont hors de Las Vegas. Et là, on va voir, après cette espèce de muraille qui enfermait les zombies, qui était assez intéressante, bah, là maintenant, les zombies sont complètement relâchés. En plus, on a l'air d'être dans une nouvelle étape de zombies. Après les zombies alpha, on aura l'oméga. Donc je me demande si on va pas avoir des zombies carrément qui ont leur mémoire. Donc Planet of the Dead, qui rappelle un peu Planet of the Apes en termes de titre, c'est sûr qu'ils se sont inspirés de ça. Et ben ça, j'espère vraiment que l'évolution des zombies va être très intéressante, qu'on va peut-être avoir des zombies presque humains avec Van Dero. A priori, Dieter est vivant, donc je me demande vraiment comment il a survécu. Et vu leur délire de time loop a l'air vraiment d'être très très relié sur Dieter. Je me demande s'ils vont pas faire revenir ce délire de boucle temporelle et ce délire de Ragnarok, en fait, vu que chaque coffre-fort représente une étape du Ragnarok, si j'ai bien compris, et le final c'est le Ragnarok, du coup. Donc le Ragnarok, qui on le rappelle, est un cycle infini, un cycle qui se répète à jamais. Donc j'ai l'impression que Snyder, il est
J'aime beaucoup le fait qu'il instaure un univers complètement fou. Le gars, il met des dieux zombies, il met du Ragnarok, il met des ovnis, des robots, une méchante entreprise pas gentille comme dans les sagas comme Terminator ou Alien. Il nous a fait une grosse saga, rien en un seul film, mais le film est pas ouf. Et c'est ça le problème, le film n'est pas ouf. Je le trouve pas mauvais, mais je le trouve sympa. Je le trouve pas totalement bon. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes, malheureusement. Et je laisse une chance à Planet of the Dead pour cet univers, vu qu'Army of Thieves, on va en parler. Mais j'attends beaucoup la série animée, pour le coup. Parce que la série animée, on te l'a vraiment promis comme l'origin story de ce qui se passe dans Army of the Dead. Donc j'attends beaucoup la série animée. Et voilà, j'attends beaucoup le prochain film de Zack Snyder, Rebel Moon, vu que le gars, il nous a vendu que c'était les 20 minutes de Man of Steel, donc à Krypton, en un film entier. Je veux voir ce film. Je veux voir ce film. Là, je suis hypé de ouf, il a pas intérêt à me décevoir. Parce que là j'accepte pour Snyder ce cas-là, vu que c'est... En vrai, c'est ça, c'est son premier film post-Justice League. Donc c'est son premier film après la dramaturgie qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu. Donc ça, j'accepte qu'il ait fait un scénario un peu plus posé, un peu moins intéressant, avec peu de thématiques et autres. Même s'il y a un petit truc relié à Trump, avec le président qui veut lâcher une bombe sur les zombies ou des bails comme ça. Mais j'accepte que là, dans ce film-là, il se lâche, il se livre. Vu que là, il a vécu tellement de tragédies que là, il se fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas ouf. C'est dommage. Et donc, on va enchaîner directement avec Army of Thieves. C'est about becoming legends. What are you doing? I'm warming up my instrument. Donc son nouveau, le premier spin-off d'Armée des Morts, réalisé par Matthias Schweighofer, je crois, désolé pour la prononciation, qui est donc l'acteur qui joue Dieter en l'allemand de Army of the Dead, qui était le meilleur personnage du film. Et le film, du coup, qui est sorti hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je vais spoiler aussi, vu que la vidéo sortira normalement assez tard par rapport à l'heure où je la tourne, le film est plutôt sympa. Il a des bonnes idées. Déjà, j'ai pas de haine contre le film, rien que pour ce qu'il représente. C'est-à-dire un film international avec des Allemands, des Français, avec Jonathan Cohen, des Européens, des Anglais, etc. Donc j'aime le film pour son aspect international, ce désir-là, de rendre le truc un peu international, ça c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Les scènes d'action sont très très stylées, très filmées, ça peut rappeler un peu Snyder, mais les scènes d'action, il y en a pas beaucoup, mais ils sont très très cool. Visuellement, le film est assez beau. Visuellement, il y a de beaux plans. Il y a une vraie mise en scène assez dynamique, je trouve. La mise en scène est assez dynamique et assez fun, je trouve. Vraiment, ça marche. C'est vraiment un dynamisme de film de casse qui marche assez bien, je trouve. Il y a de bonnes idées, par exemple, à chaque fois qu'on essaye de braquer une banque, d'ouvrir le coffre-fort. Tu as des idées. À chaque fois, on voit l'intérieur du coffre-fort, donc en termes d'idées, c'est assez intéressant de voir ça également. Donc oui, il y a des bonnes idées dans ce film. Je trouve le personnage de Dieter, qui ne s'appelle donc pas Dieter, et qui en plus j'aime bien, ça fait très Snyder, le fait qu'en fait son nom il l'a récupéré d'un personnage de comic book qu'il a créé. Donc ça fait un peu comme ça rappelle un peu les bails de Snyder et des comic books. Mais je trouve le film plutôt intéressant. J'aime beaucoup la relation avec l'actrice Nathalie Emmanuel de Game of Thrones, de Fast and Furious. Ça marche assez bien. L'actrice est assez charismatique. Même si la relation amoureuse elle est pas extraordinaire, mais l'actrice est charismatique, ils forment un bon duo, que j'espère on reverra par la suite, vu qu'on est plus ou moins certain que Dieter n'est pas mort à la fin du film. Donc ce serait cool de voir ce duo maintenant dans un monde zombie. C'est cool que Army of the Dead n'est pas ignoré, qu'on retrouve la Blight Tanaka, qu'on n'ignore pas le fait qu'il y ait des zombies malgré tout. Dieter qui fait des cauchemars qui rendent un peu hommage à Dawn of the Dead de Zack Snyder justement. Donc ça c'est plutôt intéressant. J'aime bien l'intro, on résume un peu l'histoire de Hans Wagner. J'imite ma théorie, et c'est une théorie que tout le monde a faite, mais je me demande si Dieter n'est pas Hans Wagner. Dans le sens avec ce délire de time loop, de voyage dans le temps, de boucle temporelle, ce serait giga intéressant et c'est pour ça que c'est le seul qui réussit à ouvrir ses coffres-forts. Ça pourrait être très très cool comme théorie pour le coup. Surtout qu'ils ont pris l'acteur qui joue l'horloger dans Dark. Donc il n'y a pas mieux pour se perdre. Donc ça c'est cool. Mais je trouve le film assez lent. Le film il fait plus de 2 heures. Donc on sent que c'est un peu comme Snyder. On sent qu'on a regardé toutes les scènes au montage quoi.
Et je trouve que le film est un peu lent. Je trouve que les acteurs sont pas toujours très bons. Jonathan Cohen, il est pas toujours très bon, je trouve. Et même, dans le groupe, il n'y a pas des personnages foncièrement intéressants. Ça, c'est des clichés. T'as le gros dur, t'as le gars un peu cool, t'as la hackeuse pas très sociable. Donc, le groupe, hormis Nathalie Emmanuel et Mathias Schweighofer, le groupe est pas très intéressant. Ils sont assez classiques et pas attachants ou quoi que ce soit. Donc, les personnages sont pas très intéressants dans le film. Il y a un petit côté un peu caricatural, notamment avec Jonathan Cohen. Donc, il y a un petit côté comique dans le film qui marche plutôt bien. C'est plutôt rigolo quand même. Mais le film, je trouve, aurait mérité d'être beaucoup plus rythmé. Le film est un poil trop lent, je trouve. Et la fin est plutôt touchante, elle marche plutôt bien. L'histoire du personnage fonctionne également plutôt bien avec cet aspect mythologique, avec cet aspect Ragnarok, avec tous les coffres-forts que j'aime bien, que Snyder a story que j'aime bien. Et Hans Zimmer a composé la musique, vu qu'il est très pote avec Snyder et parce qu'il a cet aspect internet et parce que le personnage principal est allemand comme Hans Zimmer, donc c'est pour ça qu'il a accepté. Je trouve ça cool. La musique est oubliable, mais il y a des petites idées qu'on sent que c'est Hans Zimmer, quoi. Donc Army of Thieves, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé, je vous le recommande si jamais. Mais franchement, je trouve que ce début d'univers est assez faible pour l'armée des morts de Snyder. Donc je laisse vraiment une chance à sa série animée et à Planet of the Dead, parce que c'est vrai que son univers... Je me demande s'il y avait vraiment besoin de faire un univers sur ça, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai trop parlé? Ok, on va s'arrêter là. On va donc couper ce rattrapage 2021 en plusieurs vidéos. Donc voilà, ça c'était donc la vidéo A avec A Quiet Place, Army of the Dead et Army of Thieves. Let's go.